Tout de suite, je vais vous présenter l'AM100 de la marque LAG, qui est une guitare française. Alors, c'est une guitare destinée au heavy metal. Donc, envoyez les gros riffs et faites péter les solos, ça envoie du lourd. Alors, au niveau de l'équipement, on peut voir au premier coup d'œil le vibrato sous licence Floyd Rose, les deux micros double lag, plus le simple micro bobinage lag. Après, on peut voir le bloc corne et la barre tension. Alors ça, c'est très très bien parce que souvent on a un Floyd avec un bloc corne, on n'a pas ces petites barres de tension et c'est vraiment utile parce que quand on l'accorde et qu'on resserre le bloc corne, ça désaccorde pas, ça change pas l'accordage, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de régler pendant 100 ans avec les petits pontés et tout, c'est parfait. Alors au niveau du son, ce modèle Arcane est typiquement destiné au métal, comme on peut voir à son esthétique, mais la présence du simple bobinage et les 5 positions de micro permettent d'avoir plus de polyvalence et de s'attaquer à d'autres styles. Alors au niveau du son clair, les 5 positions de micro permettent d'avoir des sons très différents. On peut jouer dans plusieurs tonalités. Là, comme vous voyez, il y a beaucoup de patates sur le micro double, mais après, dès qu'on joue sur le micro simple, on obtient des sonorités beaucoup plus douces. Ça va très bien au funk, on peut avoir des petits sons bluesy. Son crunchy. Alors, le son qu'elle est faite pour. Alors, au niveau du confort de jeu, cette arcane est excellente. On peut voir sur le manche, c'est une vraie autoroute, il est super fin, super plat, les grosses fêtes jumbo permettent de faire toutes les acrobaties possibles à la guitare, le sweep, le tapping. Pour l'accès aux aigus, la découpe est vraiment bien faite, on n'est pas gêné par la talonnette parce que c'est un manche fixé, et malgré tout on a un accès aux aigus parfait, on peut envoyer du sweep, on peut envoyer des bends, ça passe parfaitement. Alors pour conclure, cette Arcane AM100 de chez LAG est une très bonne guitare d'entrée de gamme. Pour un prix vraiment bas, on a une très bonne guitare dans les mains, une très bonne lutherie, elle est vraiment très jolie, elle est super confortable à jouer, et les sons sont bons, on peut jouer, elle est typiquement faite pour le heavy, mais le micro simple, ça permet de jouer dans tous les styles, c'est assez polyvalent quand même, ce fait que je dirais que c'est une bonne guitare qu'on peut emmener partout, dans toutes ses répètes.